Coucou les beautés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors les amis, bienvenue encore dans ma nouvelle vidéo motivation ménage après la fête des Pâques et petite inspiration déco. Alors les amis, comme je vous ai dit, c'est vraiment le ménage après la fête des Pâques. Oh my God, je vous avais montré notre soirée en famille. C'était le couvre-feu, donc mes frères et ma soeur, c'était à partir de 20h, donc ils devaient quitter la maison à partir de 19h30 au plus tard. Mais avant qu'ils partent, ils m'ont quand même aidé à débarrasser la table, à faire les assiettes de service que je suis en train de nettoyer pour ranger. On était tellement fatigués la nuit, puis c'est le lendemain que j'ai commencé à faire le ménage. Je me suis dit pourquoi pas faire ça en vidéo pour motiver quelqu'un aussi à faire son ménage. Là maintenant, je range les assiettes propres. Ensuite, je vais commencer à faire la vaisselle. Donc comme vous voyez, hein, je commence avec la cuisine parce qu'il y avait beaucoup à faire. Les garçons jouaient, il y a mon bébé qui dormait, j'ai profité un peu, il y a papa qui était au boulot. Alors mon ami, si tu es ici pour la première fois, moi c'est Sarah, la maman de 4 garçons. Ici je parle plus de ménage, d'organisation, de déco, de vlogs, de challenges, de recettes. Si tout ce que je viens de citer t'intéresse, avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. Aussi, clique sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Suis-moi aussi sur mon Instagram. Il y a le lien dans la barre d'infos ou Mama Dega. Bisous! Les amis, je vous dis, faire des fêtes, là, c'est bien. Mais après ça, faire le ménage, là, c'est fatigant. Vraiment, là, je vous jure, là, on fait des fêtes, on mange, on danse, on rit en famille. Mais après ça, là, c'est le ménage qui me donne de la flemme, en fait. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. Si vous voyez ma bouche bouger, cela veut dire que je parle avec les enfants qui sont juste là à côté.
Alors, quand j'ai débuté ma vidéo, j'ai commencé à enlever ma déco de la Pâques. J'ai enlevé au salon et dans la salle à manger. Il m'est resté dans la cuisine. Donc, je profite pour l'enlever. La Pâques est déjà passée, en fait. Là, je vais mettre mon produit Mr. Clean pour nettoyer ma cuisinière. Je vais laisser reposer. Ensuite, je vais nettoyer. C'était vraiment pas sale, hein? Pendant que mes assiettes séchaient, j'ai nettoyé mon comptoir avec mon produit fait maison à base du vinaigre, de bicarbonate de soude et un peu d'eau. Pour nettoyer mon micro-ondes, j'utilise les mêmes produits. Ça nettoie très bien, ça fait briller aussi, ça enlève les odeurs. Est-ce que vous voyez la façon dont je parle là, les amis? Oh, être une maman, ce n'est pas facile. En même temps, tu fais les ménages, en même temps, tu dois régler les problèmes là-bas, en même temps, tu continues ce que tu fais. En même temps, tu dois les surveiller aussi. Alors, on n'a pas le choix, c'est juste Dieu qui nous donne la force à faire tout ça en fait. Pour nettoyer ma cuisinière, j'ai mis les produits que je vous ai montrés avant de Mr. Clean. Ensuite, j'ai rajouté un tout petit peu de bicarbonate de soude, puis c'est tout avec mon petit chiffon. J'ai juste frotté, puis c'était déjà correct. Là, avant que je continue, je vois que mes assiettes étaient déjà sèches. Là, il y a mon grand garçon qui m'aide à le placer. Après qu'on a tout rangé, là je vais nettoyer mon comptoir de l'évier. Je vais d'abord nettoyer l'évier, ensuite mon comptoir. Pour nettoyer mon évier, j'utilise le même produit hein, à base du vinaigre, de bicarbonate de soude et un peu d'eau. Et aussi j'ai rajouté de bicarbonate de soude encore pour bien nettoyer. C'est vraiment bon, ça enlève les odeurs, ça fait briller aussi. Hein.
amis, moi, avant que je passe le balai, je nettoie d'abord le comptoir parce que sur le comptoir, il y a toujours des petites miettes qui tombent par terre. Donc là, je vais passer maintenant mon petit balai. Ensuite, passer mon petit balai serpillière, ça nettoie tellement bien et ça me facilite la vie, hein. Voici les résultats finaux après le nettoyage de ma cuisine. Oh, ça fait tellement du bien quand je vois que ma cuisine est propre, les amis. Oh, ça fait tellement du bien. Là, vu que ma cuisine est propre maintenant, c'est parti pour le salon. Pareil, je ramasse tout ce qui traîne par terre, je le mets à sa place. Ensuite, je vais commencer à nettoyer mes meubles. Comme je vous ai dit au début, quand j'ai enlevé les décos des Pâques dans la cuisine, j'ai commencé d'abord à enlever au salon, ensuite dans la salle à manger, vous allez voir. Et pour finir, j'ai enlevé aussi dans la cuisine. Bien sûr, quand j'enlève des décos, j'en rajoute ou je change la façon dont je les place. C'est un peu ça. Quand je fais les ménages, souvent ça m'arrive. Vous allez voir ici au salon, j'ai rajouté cette fleur. Dans la table basse aussi, vous allez voir un petit changement. Aussi, dans mon étagère, vous allez voir aussi un petit changement. C'est comme ça que je fais en fait.
C'est vraiment le ménage rapide après la fête des Pâques. Juste question de laisser la maison propre parce que la veille de la Pâques, j'avais déjà passé l'aspirateur. J'avais nettoyé aussi. Après avoir nettoyé mes meubles, là je passe mon petit balai. Aussi sur le tapis, je passe juste mon balai. Ce n'était pas sale hein, parce que comme je vous ai dit la veille, j'avais déjà passé l'aspirateur. Aussi, on n'a pas mangé sur le tapis, donc c'était quand même correct là. Aussi, mon fils dormait, je ne voulais pas qu'il se réveille. Même si j'ai allumé ma bougie qui sent tellement bon, je ne manque pas de mettre mon spray down. Ça sent tellement bon pour rafraîchir encore la maison. Hein. Moi là les amis, j'aime ça quand ça sent bon la maison, je vous dis. Là voici le résultat final après le nettoyage de mon salon et que ça sentait tellement bon, my god, ça me donnait juste envie de m'allonger sur le canapé et là regarder un bon film avec mes loulous. Là, c'est parti pour la salle à manger. Je vais enlever mes décos de la Pâques. Ensuite, je vais rajouter d'autres. Je vais faire des petits changements et nettoyer. Là, vous voyez, je mets les papiers en dessous de la bague de rangement de mes décos. En fait, c'est pour protéger mes décos en verre. Vous pouvez mettre une serviette ou un vêtement que vous ne porterez plus.
Là, j'enlève ma nappe. Après ça, je l'ai mis tout de suite dans la machine à laver. C'est des grosses boîtes de rangements décoratifs. Je l'avais pris à Home Sense. Oh my God! Quand je l'ai vu là, les amis, j'étais comme, c'est ça que je voulais. Donc, la petite là où c'est écrit Fashion, je l'ai pris à 6,99. Puis l'autre là, la grosse là où c'est écrit Paris, à 8,99. Donc, il y a une autre petite là où c'est sur la table basse. Ça, je l'ai pris, je pense, à 4,99. Donc, c'est vraiment ça ce que je voulais pour faire vraiment une différence de ce que j'avais déjà avant. Alors, sur ma table, la salle à manger, je mets juste mon chemin de table que j'ai depuis longtemps. Ensuite, je vais rajouter ma vase bleue. Dans ma vase, je vais remettre juste mes fleurs pamba que j'avais avant. Et pour finir, dans la salle à manger, je passe mon balai. Ensuite, je vais passer mon balai serpillière de la marque Vileda. Alors les amis, cette vidéo tient à sa fin. J'espère que ça vous a motivé. J'espère que ça vous a donné aussi quelques inspirations, quelques idées pour les décos. Je l'espère vraiment. Alors si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Moi, je vous envoie des gros bisous. Portez-vous bien et que Dieu vous protège. Bye!